Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, ce sera une balade à vélo. Il y a des chevaux qui arrivent. Ouais, je vous amène au barrage de Valabrec. Bon, là, je longe le Rhône. Je suis sur la berge du Rhône. Et on va se faire la visite de ce barrage. D'ailleurs, il fait très chaud aujourd'hui. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Il y a des chevaux qui arrivent. Bon, ils vont peut-être pas vouloir que je les filme. Je filmerai juste les chevaux. Voilà, au mince. Ils sont très beaux, je les laisse passer parce que je suis en vélo. J'ai peur de leur faire peur. Oh, qu'ils sont beaux. Ouais, je vais pas filmer les personnes. Bonjour. Oh là, bonjour les chevaux. Bonjour. Oh, qu'ils sont beaux, ils sont nombreux. Ne vous inquiétez pas, je vous filme pas. Bonjour. Je filme que le cheval. Bonjour. Voilà. Vous avez vu, magnifique. Ouais, en fait, là, je suis de l'autre côté d'Aravo. J'ai pris la berge du Rhône, c'est mieux. L'autre côté, c'est la route qui mène à Valabrec. En fait, là, je suis à la hauteur des carrières. De Boulbon, pardon, oui, il y a des carrières là, à Boulbon. Voilà, de toute façon, je suis déjà passé dans le coin. Voilà, voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, je vous reprendrai au port de Valabrec. Allez, allez, de retour, là, je fais une petite pause. Ah oui, je voulais vous faire voir aussi. Là, ils ont un peu aménagé. Hein. Il y a presque plus de pierres. C'est carrément mieux. D'ailleurs, ils devraient faire pareil sur Avignon. Hein. Enfin, sur l'île de la Bartolas. Hein. C'est pénible, ces grosses pierres. Et là, ils ont un peu aménagé. C'est cool. Ah oui, pour les connaisseurs, là. Bon, ouais, au fait, j'ai oublié de préciser, Valabrec, c'est dans le Gard. Sinon, j'avais fait des vidéos, je crois, dans le coin. Oui, et là, je suis en face de la centrale EDF, là, sur la route d'Aramon, de l'autre côté. Là. Ouais, ça doit se voir, là, la caméra. Pour ceux qui connaissent, ben, ils ont enlevé la cheminée, là. Ceux qui connaissent le coin, ça fait bizarre, d'ailleurs, de plus la voir, cette cheminée, là. D'ailleurs, je crois qu'elle était sur le livre des records. Cette cheminée de l'EDF, là. Enfin, ça fait drôle. Bon, aujourd'hui, ça tape. Hein. Ça y est, les beaux jours arrivent. Tant mieux, il était temps parce qu'il fait que pleuvoir. Hein. Il a fait que pleuvoir. Chez nous, ces derniers temps. Comme un peu de partout. Là, qui nous disent pas qu'il y a la sécheresse cette année, là, les nappes phréatiques. Là, elle doit être pas mal remplie un peu de partout, d'ailleurs. Après, je sais pas. Hein. Voilà, bon, ça tape là, je suis pas loin du barrage, du petit port de Valabrec. Mais c'est super hein, qu'ils ont arrangé là. C'est là, c'est plus agréable de rouler en vélo, là. Même pour les marcheurs. Là. Parce que ces pierres là, ben, en bas c'est toujours le cas. Là. C'est vrai que c'est pénible ces pierres là. Voilà, petite pause. Là. Bon, de toute façon, je vous reprendrai un peu plus loin, je vous ferai vite voir le petit port de Valabrec. Et après, on va vite au barrage de Valabrec. C'est à la sortie, en fait. Et ça fait un moment que je n'y suis pas allé, là-bas aussi. Je me rappelle même plus comment il est, ce barrage. Allez, à tout à l'heure. Je vous laisse, cette fois. À tout à l'heure. Oui, là, on la voit mieux, en fait. La centrale EDF, là. Bon, ben, avant, il y avait une cheminée, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que là-bas, on ne voyait pas bien. Là, c'est mieux dégagé. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
Allez, allez, on s'approche du petit port de Val-la-Brève. Bon, il est petit, hein. Ouais, c'est joli de ce côté. Ouais, en fait, ils ont remis les pierres plus loin. Ils ont juste dégagé un bout de 500 mètres maximum, mais pas plus. Voilà, je me suis fait une fausse joie. Bon, désolé, il y a un peu de vent. Hein. Et ça se couvre ici. Voilà, ouais, ben, c'est le début de la Camargue, Tarascon, Val-la-Brève, tout ça. Oui, c'est le début de la Camargue en fait. Pour la capitale, ce sera Arles, la Camargue. Pays du taureau. Des chevaux. Là, il y a le petit lac de Val-la-Brève en face. Oh, c'est rempli. Oh. Oh, ça souffle. Oh, je vous rassure, c'est pas ça le barrage. Là, je rigole. Aïe aïe. Oh, j'espère que je vais pas me prendre un orage sur la figure. Ah, il est là-bas le lac. Il y a un petit faux lac artificiel, enfin un lac artificiel là-bas. Je suis torse nu là à l'ombre. C'est pas si chaud que ça, hein. Ça va encore. Je sais pas quoi faire, j'ai envie de continuer par la berge. Ouais, je vais prendre le goudron, là. Je vais passer par Val-la-Brève. J'ai un peu marre des pierres. Voilà, ce petit port. Je crois qu'il y avait une borne électrique, là, je sais pas. Bon, il n'est pas extraordinaire le port, hein. C'est petit ici. Hein. Voilà, c'est ça, il y a quelques bateaux qui se battent en duel. Bon, on verra pas grand chose. Là. J'ai dû couper, hein, et des gens. Voilà, il est tout petit de toute façon ce port. Alors, on va se traverser un peu Val-la-Brève. Là, on n'est pas trop loin là, du barrage. Là. Là vous avez le camping. Oh, ça a changé, hein. Là, ils ont fait des hangars. Là. Ah ouais, la calade. Il y a un endroit pour faire les boules, pour jouer aux boules, mais je bafouille. Ouais. Et bien, ça a changé. Ouais, Val-la-Brève, il y a des petites arènes à côté. Ouais, je crois que ça y est toujours les taureaux l'été ici. Mais oui, il y a les arènes. Ouais, direction Beaucaire, Tarascon. Elles sont là-haut, les arènes là-bas. Bon, on va pas se les faire, hein. C'est pas le but de la vidéo. Hein. Je vous fais voir un peu mon petit voyage. Hein. Bon, il y a 23 bornes à Avignon, Val-la-Brève.
Ben, le barrage est bien à la sortie quand même. Je sais pas combien il y a d'Avignon exactement. Le barrage jusqu'à Avignon. Bon, même les toilettes, elles sont là, les arènes. Bon, on va pas s'arrêter. C'est tout petit. Bon, vous avez les toilettes. Petit village, quoi. Je crois qu'il y a 1000 habitants ou un peu plus maintenant. Je sais plus, je sais pas. Bon, je pense qu'ils y sont, les 1000. Même là, ça a changé. Oh. Ah ouais. D'accord. Fête au village. Allez. Ouais, je suis à 7 bornes de Beaucaire. Voilà la sortie. Bon, je coupe, hein. Je veux pas que le dure 3 heures cette vidéo. De toute façon, j'ai regardé. Je me casse la tête à faire des vidéos longues, personne ne regarde jusqu'au bout. Bon, de toute façon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je regarde sur les statistiques et c'est 90% de gens qui sont pas abonnés qui regardent mes vidéos. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. De toute façon, je l'ai tout le temps dit, je suis pas là pour gagner de l'argent. Je partage tout simplement, c'est tout, hein. Voilà. Ça aurait été une petite récompense de faire des vues. Mais de toute façon, je ne gagne pas un centime. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Et on va se rapprocher du barrage. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, les boules, il a en travaux le barrage. Ouais. J'hallucine. Bah, je vois qu'il y a des voitures qui sont passées, je vais passer quand même. Ouais. Oh là 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 là, allez, je continue. Bon, je mets la caméra à l'arrache sur la tête, hop. On dirait que c'est fait exprès, ça. Bon, apparemment, il y a des bagnoles qui passent, là. Moi je passe. Route barrée à 100 mètres, c'est quoi ce bordel? À 3100 mètres ou... C'est quoi ce délire? En plus, je crois que j'ai... Je me demande si j'ai pas crevé à la vente alors, je me suis pris une pierre, là. Il a pas aimé le pneu. Bon, il est où ce barrage, ouais. Ah, mais... Ah, mais il est là. Ah ok, c'est ça ce fameux barrage, ouais. Il n'y a pas une écluse ici, ouais. Compagnie nationale du Rhône. Ouais, parce que je suis curieux de savoir, sur la vidéo que j'ai faite sur le barrage d'Avignon, il y a un gars, il m'a parlé, il m'a dit « Ouais, vas-y, voir et tout. L'eau, c'est impressionnant. » Ben, j'y suis, mais je vois rien. Hein. Non, mais on n'est pas encore là aux portes. Ben, c'est le barrage de Beaucaire aussi. Il m'a parlé, je ne me rappelle plus. Parce que là, à Villeneuve, là, ça produit du courant. Hein. C'est le barrage, je sais pas si c'est le cas ici, ouais, je crois. Ouais, je vais monter sur le trottoir, il y a des circulations ici. Hein. Ben, on y est, hein. C'est ça le barrage. Ouais. Parce que la personne me dit, ouais, il est petit, franchement,
Il est pas beaucoup plus grand celui-ci de barrage. On peut même pas regarder les portes, c'est nul. Ouais, c'est un petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus, Pierrot. Mais on y est là, au barrage. Ouais. Je croyais que... Ah ouais, elle est là-bas, l'écluse, en fait. C'est vrai que c'est plus grand que le barrage d'Avignon, hein, par contre. Ouais, maintenant l'eau, là. Oui, ça produit du courant, ici. Ça a un nom, je ne me rappelle plus le nom. Ça doit être marqué. On ne peut même pas s'approcher de l'écluse. C'est quoi ce truc? C'est tout fermé ici, hein. Avignon, c'est plus open. Hein. Voilà, on y est à l'écluse. Ouais. On va aller voir de l'autre côté parce qu'on voit pas grand chose. Ouais. Merde, j'ai pas mis la béquille. Ouais. Voilà. L'écluse. Ouais. Ouais, ça produit de l'électricité, là. Merde, c'est pas marqué, là, comment ça s'appelle, là. Écoutez, je vais enlever la caméra. Je vous fais voir. Et vous mettrez sur pause, pour lire. Je vais pas tout lire, là. Hop. Vous voyez. Vous mettrez sur pause. Ah ouais, effectivement. On est ici. Hop. Je vais recadrer. Mince. Ouais, là vous aurez le temps de lire. Allez, là aussi. Attends, on va aller de l'autre côté, on va voir un peu le débit d'eau. Parce que là, je peux pas aller, hein, y a des barrières. Hein. Oui, c'est juste un peu plus grand, mais pas beaucoup plus. Hein. Après, le chemin, c'est pas beaucoup plus grand que celui de Villeneuve. Hein. Voilà, ce barrage. Ouais, ça me produit du courant, effectivement. Vous voyez. Allez. Ouais, ça y est, je suis passé de l'autre côté. Si, c'est grand quand même. Hein. C'est grand. Ben, j'ai l'impression qu'il y a plus de... je sais plus, il y a 4 portes, moi, celui-là de Villeneuve. Hein. Là, j'en vois 3, moi, de portes. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas de... que c'est pas plus agité, le Rhône. Hein. On peut même pas monter sur les pontons. Je sais pas, mais il n'y a pas de l'or là-dedans. Je sais pas pourquoi c'est interdit, hein. Mais bon, bref. Tiens, on va pouvoir descendre. Ouais, c'est dommage, c'est tout fermé ici. On peut pas s'approcher plus. On verra pas grand chose. Hein. Voilà ce barrage ou quoi. Il
On voit que dalle là. Il y a l'arbre qui gêne, mince. Je vais pas descendre plus bas là. Bon, de toute façon, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller sur l'autre. Sur l'autre truc là. Je sais pas comment ça s'appelle, sur l'autre ponton. Là. Parce que là, on voit que dalle. On voit juste le côté de. Un côté du barrage. C'est vrai que ça me produit du courant. Hein. En fait, je vois pas combien il y a de portes. Hein. Je vois qu'il y en a une ouverte là-bas. Si, il y en a plusieurs de portes. J'ai pas bien vu tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure, je vais faire une petite pause. Hein. Allez, de retour, en fait, j'ai pu descendre. Voilà, ce cas-ci, il est grand quand même. Hein. Tout à l'heure, je disais que c'est grand. Voilà, je vois deux portes. Il n'y a que deux portes, là. Tandis que celui-là de Villeneuve-les-Avignon, il y en a quatre. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne les vois pas, là, les portes, là où je suis. Là-bas, elle est fermée. C'est la porte de l'écluse. Et il y en a une d'ouverte, voilà. On la voit pas bien, c'est derrière les poteaux. Enfin, c'est ma chaîne pour attacher les bateaux. Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas plus s'approcher de la porte ouverte, par exemple. Ouais, c'est sympa, ça m'aura fait une petite balade quand même. Voilà ce fameux barrage de Valabrègue. Ouais, comme je disais, c'est un produit du courant, ces barrages. Ouais. Tant mieux, le courant, c'est la vie. Le courant de l'eau, bien sûr. Allez, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Ouais, je sais pas si on verra mieux de là-bas. Pour finir la vidéo, de toute façon, je pourrais pas filmer plus. Vous avez vu tout à l'heure, tout est fermé ici. Peut pas avoir plus les bateaux qui arrivent quoi dans l'écluse quoi. Allez, à tout à l'heure. Allez, de retour, on va aller voir où ça mène ce chemin. Ouais, je suis toujours au barrage. Ouais. Je sais pas, il y a du passage. Ouais. Pêche, réserve de pêche. Ouais, on voit les Alpilles. Ouais. Bon, à mon avis, après, on peut pas aller plus loin. Ouais. Ouais, c'est sympathique le coin. Plus loin, il y a le barrage de Beaucaire par là-bas, à ma droite. Mais on n'ira pas. La prochaine fois qu'il y a une crue, là ouais, j'y retournerai. Je vous montrerai. Parce que c'est vrai, la personne qui m'a commenté la dernière fois, elle avait parlé aussi du barrage. Ah ben. J'ai trouvé un coin là, pour mieux le voir de loin. Il m'a dit que c'était plus impressionnant que ce que je vous ai fait voir, mais il n'avait pas tort. Parce qu'une fois j'étais passé au barrage de Beaucaire, effectivement, c'était vraiment impressionnant l'eau. Et voilà, il y a un ponton. Bon, nature, peinture, les vidéos comme d'habitude. Je sais, je le dis souvent, mais je vous fais partager mes balades, voilà, tout simplement. Voilà. Oh, ça fait de la musique. Ah ouais, là, on va le voir. Là. Ça remue quand même.
C'est vrai qu'il est, il est quand même balèze, pas aussi grand que le barrage de Sierre-Ponçon. Ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est le barrage qu'il y a dans les Alpes. Là. Celui-là, il est vraiment impressionnant de barrage. La Durance, elle est balèze. Là. De toute façon, elle finit dans le rond, la Durance. Là. Ah ouais, effectivement, on le voit mieux. Là. Ah, c'est sympa, ça bouge, j'ai l'impression d'être sur un bateau. Voilà, ouais, c'est joli quand même. Là. Le Rhône, quoi. Il y a un sacré courant, regardez. Ouais, je vais vérifier une chose parce que des fois elle déconne là. Oui, ça filme bien. Voilà ce fameux barrage de Valabrègue. Il est quand même haut le Rhône là. Ouais, en fait moi j'en vois trois de portes là. Une, deux, trois. Après là-bas, je sais pas si c'est des portes en bas. Non, je crois pas. Hein. Ah ouais, ça bouge là. C'est le bateau ivre. Ouais, c'est, je confirme, il est un peu plus grand que celui de Villeneuve quand même. C'est vrai. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais pas vous faire voir le retour. Hein. On va couper là, hein, tranquille, le chat. Hein. Et la prochaine crue, ben, je viens de l'évoquer tout à l'heure, je vous ferai voir là, à Beaucaire. Là. De plus, là-bas, il y a le Gardon qui se jette là, à Combs, en fait. Ça s'appelle Combs, le bled qui a part là-bas, là, de l'autre côté de Valabrègue. Ben, c'est le Gardon qui se jette dans le Rhône. Hein. Ouais, j'en avais parlé déjà. Il y a une précédente vidéo. Voilà, voilà. Cette année, ça couine. Hein. Ça donne envie de partir en bateau, là, quand même. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous laisse cette fois-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, hashtag le partage c'est la vie et la santé, et la santé aussi, mince. Et je vais le redire, la plus grande des richesses de la vie, c'est la santé. Bon, c'est bien aussi d'avoir le compte rempli, mais c'est plus important d'avoir la santé. Voilà, après c'est mon avis. Allez, ciao l'ami, à bientôt, ciao ciao. À plus dans le bus, ciao. Ça sera peut-être un déballage la prochaine fois. Ciao ciao. Petit bonus, je suis sur le chemin du retour là. Ou pas. Regardez, un taureau. Des taureaux. Bon, il me fixe. Hein. Je vais pas trop faire le malin. Là. Il y a le grillage, mais bon, on sait jamais. Hein. Il y en a d'autres là-bas, je vous les fais voir. Bon, ils sont pas gros, mais j'aimerais pas qu'ils me foncent dessus, il y a les cornes qu'il a. Bon, ils sont nombreux, là. Oh, il y a des petits là-bas. Hop, on va zoomer, pas trop, parce que c'est dégueulasse après. Waouh, comme il me file celui, bon, je vais me dégager. J'ai pas mis qu'il me fonce dessus. Là. Bon, regardez, oh là 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 là. Bon, allez, j'y vais. Il me regarde trop, là. Il s'approche. Allez, ciao, à plus, c'était un petit bonus. Ciao, ciao.